Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du positionnement blogging. C'est un point clé pour la réussite de votre projet. On va répondre à l'email de Christophe. Vous voyez qu'il tient sur deux pages. Christophe, c'est un de mes clients. Il m'a envoyé un email en me posant des questions sur le positionnement de son blog orienté perte de poids. Donc si aujourd'hui vous êtes au démarrage de votre projet blogging, vous devez savoir que bien se positionner, c'est essentiel pour se différencier de ses concurrents. C'est essentiel aussi pour être sur un marché qui est porteur ou pas. C'est également très important d'avoir un angle d'attaque particulier qui amène votre voix, votre patte et qui vous permette d'exister. Alors déjà, un mot sur le positionnement perte de poids. Je pense, Christophe, que c'est une très bonne idée que tu aies choisi cette thématique puisqu'il suffit d'aller sur Amazon pour se rendre compte qu'il y a une quantité absolument dingue de livres sur le sujet. Il suffit d'aller dans n'importe quel point presse pour se rendre compte que de nombreux magazines traitent de ce sujet. Effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement porteur. C'est un gros, gros business, la perte de poids. Donc oui, tu peux sans doute réussir à prendre ta petite part du gâteau dans cette thématique pour pouvoir vivre de ton blog et réaliser ton projet de vie. Alors, la question de Christophe, c'est de savoir s'il doit positionner son blog sur réduire l'insuline, sur manger moins souvent, soit manger tel type d'aliments, soit réduire le cortisol, soit améliorer son sommeil. Bref, il me lit toute une... Christophe me lit toute une série de points et il me dit, bah voilà, j'ai toutes ces pistes-là. Est-ce que ça fait plusieurs blogs? Quel sujet je dois choisir? Est-ce que je dois plutôt partir sur les adultes? Est-ce que je dois plutôt partir sur les enfants? Bref, on sent que Christophe, il est devant sa page blanche et il se pose beaucoup de questions. Donc, on va tâcher d'y voir un petit peu plus clair, déjà en apportant un point fondamental en marketing, qui est la différence entre le résultat et les méthodes. Et ça, c'est un truc qui est super courant et que la plupart des blogueurs débutants, c'est une erreur qui est faite très très souvent, même par des blogueurs confirmés d'ailleurs. Quand on blogue sur la perte de poids, effectivement, il y a plein de méthodologies. Il y a le régime hyperprotéiné, il y a le régime paléo, il y a les gens qui font de la sèche, il y a les gens qui font de la diète, etc., etc. Il y a plein de méthodologies qui permettent de perdre du poids. Donc là, Christophe, il me parle de sujets que je connais pas, mais il a l'air de connaître parce que lui, il a quand même perdu 25 kilos en 5 mois, donc en perte de poids, il s'y connaît. Il me parle de cortisol, il me parle d'insuline, il me parle d'aliments, il me parle de sommeil, etc., etc. Ça, c'est des méthodes. Ce n'est pas des résultats. Vous n'allez pas faire rêver les gens en leur disant « vous allez devenir un pro de l'insuline avec moi ». Non. Ce qui intéresse les gens, c'est le résultat. Et le résultat dans un blog qui est lié à la perte de poids, c'est quoi? C'est une meilleure santé. C'est plus de séduction. Ah voilà, on est aminci, donc on est mieux dans sa peau. Donc c'est une meilleure confiance en soi. C'est de meilleures performances sportives, par exemple. Voilà, c'est ça que les gens achètent en fait quand ils sont dans la recherche de solutions perte de poids. C'est soit améliorer leur performance sportive, soit être plus attractif, soit être en meilleure santé. Et c'est ça le résultat, c'est ça qu'on vend. Donc la question de Christophe, c'est de se dire, ouais, alors donc là j'ai un blog 1, là j'ai un blog 2, là j'ai un blog 3, et là j'ai un blog 4. Non, déjà Christophe, il ne faut pas que tu partes sur 50 000 blogs à la fois. Créer un blog, c'est déjà suffisamment de travail. Si tu te disperses sur 3 ou 4 blogs, tu risques juste de pas t'en sortir. Moi, j'ai plusieurs blogs, mais aujourd'hui, j'ai une équipe, je suis staffé et je fais ça depuis longtemps, donc j'ai de l'expérience et je fais pas ou très peu d'erreurs blogging. Donc, je sais promouvoir rapidement un contenu, donc moi, j'arrive à m'en sortir, mais un blogueur débutant, je lui recommande absolument pas de partir sur 3 ou 4 blogs d'un coup. C'est le meilleur moyen de se planter. Le second truc, c'est que sur ton blog, Christophe, il faut que tu mettes en avant un résultat. Donc c'est, comme je te l'ai dit, de la santé, de la confiance, de la séduction ou de la performance sportive. C'est ça qui va faire rêver les gens et c'est pas les méthodologies. Donc en fait, ce que tu mets en avant sur ta landing page, le message fort de ton blog, c'est être en meilleure santé ou être plus attractif. Et les méthodologies, ça, ça fait des sujets d'articles. Tu pourras faire des articles qui parlent d'insuline, tu pourras faire d'articles qui parlent du sommeil, les 5 aliments pour maigrir, 10 façons pour lesquelles, les 10 raisons qui font que le sommeil permet de perdre du poids, le cortisol, 2 points, son influence sur votre poids, virgule, le guide complet. Enfin, tu vois, moi, j'y connais rien en régime et je trouve déjà des idées de sujets. La question que tu vas te poser, Christophe, ensuite, c'est comment faire la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant. Si effectivement, tu commences à dérouler tes méthodologies dans tes articles, qu'est-ce qu'il te restera à vendre? Eh bien, en fait, tout est une question de curseur. Par exemple, tu peux parler de l'influence du sommeil sur le poids, mais tu n'es pas obligé de dire comment est-ce qu'on fait pour profiter au maximum de son sommeil et maigrir.
Tu peux parler de l'influence des aliments, mais tu peux vendre derrière un planning avec des recettes déjà toutes faites. Tu peux parler du rôle de l'insuline sur le poids, mais ensuite tu vas expliquer aux gens comment est-ce qu'on fait pour la réguler et perdre du poids le plus efficacement possible. Donc on peut parler d'un sujet sans tout dévoiler. Et effectivement, tu dévoileras tout dans ta formation en facilitant les choses, en rajoutant des checklists, en rajoutant des plannings, en rajoutant des étapes à suivre. Et ça ne t'empêche pas de discuter de ces sujets-là ou de faire des articles listes sur ces sujets-là. Donc ce n'est pas compliqué en fait de distinguer le gratuit du payant. Si c'est un sujet qui vous tracasse, il y a une vidéo sur la chaîne Traffic Mania qui explique comment faire la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant. Si vous tapez ça dans YouTube, vous la trouvez tout de suite et vous pourrez trouver des informations. Donc, la perte de poids, très bonne idée. Plusieurs blogs, très mauvaise idée. Et enfin, mettre en avant le résultat en s'appuyant sur les méthodes. Mais ça ne va certainement pas être un blog sur l'insuline. Non, ça va être un blog sur meilleure santé. Ça ne va certainement pas être un blog sur le cortisol. Non, ça va être un blog sur plus de confiance en soi. Et comment on atteint le résultat ? En s'appuyant là-dessus. Et ça, c'est ton contenu, gratuit ou payant, payant avec beaucoup de détails, gratuit avec assez peu de détails. Voilà. Donc ça, ça devrait t'aider à te positionner. Il y a une autre question que me pose Christophe dans son email. Jeune ou adulte ? Est-ce qu'il faut que je cible les jeunes parce qu'il y a une épidémie d'obésité chez les jeunes ? Ou est-ce qu'il faut que je cible les adultes ? Alors moi, je n'irai pas trop sur les jeunes parce que quelqu'un qui a 14, 15, 16 ans, il n'a pas forcément de moyens de paiement et il ne va pas pouvoir acheter tes produits. Donc, ça va être compliqué de faire la vente. Si tu veux toucher les adolescents, en fait, il faut parler aux enfants d'adolescents et inciter les parents d'adolescents à acheter le produit. C'est beaucoup plus compliqué de faire comme ça que de s'adresser directement aux adultes et de vendre à ce public-là qui a accès aux moyens de paiement. Ça sera beaucoup plus facile. Ensuite, il me pose une question. Est-ce qu'il faut faire un truc orienté homme ou orienté femme ? Ça aussi, c'est un truc, on voit beaucoup de sites qui sont spéciales femmes. On voit des sites pour entrepreneuses, par exemple, alors qu'il n'y a pas de site 100% pour les entrepreneurs masculins. Alors pourquoi pas ? Simplement, il faut savoir que la perte de poids, c'est un sujet qui va toucher tout le monde. La meilleure santé, plus d'attractivité, la performance sportive, ça va toucher absolument tout le monde. Tous les sexes confondus, hommes et femmes. Donc moi, je ferais un truc hommes et femmes mélangés. Je ne ferais pas un blog spécialement homme ou spécialement femme sur ce sujet-là, bien que ça ne soit pas forcément une mauvaise idée. La perte de poids, c'est tellement un sujet large et c'est tellement compétitif qu'effectivement, cibler sur un genre peut t'aider, mais je ne vois pas d'aspect freinant sur ce point-là. Voilà, tu m'as envoyé un long email, il m'a donné une idée de vidéo, Christophe, donc merci à toi. Alors effectivement, je réponds à tous les mails, enfin moi ou ma collaboratrice, mais en tout cas, moi je suis absolument au courant de tout ce qui est raconté par email. Donc même si ce n'est pas moi qui vous réponds personnellement, je sais ce que vous envoyez et s'il y a des questions marketing pointues, c'est moi qui dicte les réponses à ma collaboratrice. Donc il n'y a pas de souci, je sais ce qui se passe, n'hésitez pas à nous contacter. Effectivement, si vous êtes client, vous aurez un niveau de réponse qui est quand même plus important que si vous êtes simplement quelqu'un qui passe sur le blog, mais on regarde absolument tous les emails. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura mieux permis de comprendre ce que c'est le positionnement. C'est quelque chose qu'il faut absolument pas louper parce que si Christophe part sur un blog qui parle uniquement du contrôle de l'insuline, ça risque de pas faire rêver et ça sent pas le gros succès. Par contre, s'il fait des articles très qualitatifs qui expliquent comment retrouver confiance en soi grâce à la perte de poids et que toutes ces méthodologies, elles s'appuient sur son savoir qui a l'air important parce que vous voyez, il m'a quand même écrit un roman sur toutes les possibilités pour perdre du poids. Là, effectivement, il augmente grandement ses chances de succès. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous donnera envie d'avancer dans votre projet. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à aller voir traficmania.com, mon blog, puisque vous y trouverez de nombreux articles qui parlent de positionnement, qui parlent de trafic, qui parlent de vente. Et ça vous aidera à avancer dans votre projet et à quitter le salariat comme moi je l'ai fait. En vous abonnant à la newsletter, vous recevrez également une formation trafic gratuite d'une heure qui est complète, qui va vous apprendre beaucoup de choses sur le trafic. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Traffic Mania. Ciao.